sont ses autres cadeaux? Pour oncle Stripe, de la part de mamie. Oh, le joli cadeau! Tiens, oncle Stripe, c'est pour toi! Merci, Bluey! Oh, le meilleur chef du monde! Merci, maman! Hé, je croyais que c'était moi le meilleur chef du monde! Oh, vous l'êtes tous les deux! Celui-ci est de la part de Bandit pour ta mamie. C'est de la part de papa! Oh, merci, mon Bandit! Je t'en prie, maman! Oh, qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est un t-shirt! Qu'est-ce qui est écrit dessus? Une seconde, il faut que je mette mes lunettes! Une seconde, il faut que je mette mes lunettes. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une mallette de docteur. Chut! Une île gonflable pour la piscine! Pizza! Oh, chouette! Des balles de tennis! Pour Bluey, de la part de maman et papa. Oh, c'est pour moi! Merci, maman! Merci, papa! Oh! Waouh, je l'adore! Je vais te donner un prénom, Barnabé. Je crois que c'est bon, on a tout ouvert. Allez, tous à la piscine! Oui! Cet épisode de Bluey a pour titre Le Grand Bain de Noël. Je vais te présenter toute ma famille, mon petit Barnabé. Maintenant, c'est aussi ta famille. T'es sûr de savoir comment faire pour le rendre bien croustillant? Lis ce qui est écrit sur mon tablier. Oncle Stripe, je te présente Barnabé. Bonjour Barnabé, enchanté de faire ta... Oh, une seconde Barnabé, on me souffle dessus pour me diriger vers la piscine. Alors qu'est-ce que j'ai? Et elle, c'est ma petite cousine Sox. Joyeux Noël. Youpi. Ne t'inquiète pas, ma cousine fait ça à tout le monde. Allez, viens vite, Muffin, sinon on sera en retard au travail. Ah, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Je te présente ma cousine Muffin. Ah, bonjour Barnabé, désolée, je suis en retard pour aller au travail. Le ferry va bientôt partir. Ah, je suis en retard. Ah, au revoir les enfants. Rouge à lèvres. Ah, rouge à lèvres, je retourne à la maison. Avis à tous les passagers, notre ferry va bientôt partir. Ah, à ce soir les enfants. Ah. Hourra, tu as réussi à l'attraper. Muffin va être très occupée du coup, alors je vais te présenter Bingo. Voilà, c'est ma petite sœur Bingo. Bingo, je te présente Barnabé. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Bonjour Barnabé, est-ce que tu... Attaque de crocodile! Lâche Barnabé, vilain crocodile, lâche-le tout de suite. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Muffin, au secours! À cause de toi, je vais arriver encore en retard au travail. C'est peut-être le moment que je te présente mon papa. Oui. Papa imite les ralentis sportifs à la télé. À qui le tour? À qui le tour? Je te présente Barnabé. Bonjour, enchanté Barnabé. Tu veux essayer de mimer un ralenti? Barnabé! J'ai eu! Oui! Tu dois surtout pas quitter la balle des yeux, bonhomme. Pauvre Barnabé, je suis désolée que papa t'ait cassé le bras. Oh, Trixie, je peux t'aider en m'occupant de la sauce, si tu veux. Non, merci, ça va aller. J'ai pris des sachets de préparation. Oh non, je vais en cuisiner une, c'est meilleur, le fait maison. Tante Trixie, je peux emprunter une serviette pour Barnabé, s'il te plaît? Oh, mamie, tu pourrais apporter une serviette à Bluey, s'il te plaît? Oh, bien sûr. Tu t'es mouillé, mon pauvre petit Barnabé? Papa a tiré sur lui. Oh, c'est pas vrai, nom d'un chien. Ah, non, mamie, non! Mais quoi? Il a un bras cassé. Oh non, c'est pas vrai, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Navré de ce qui t'arrive, mon poussin. Hé, hey, oncle Rad et tante Frisky sont en ligne avec nous. Stripe, tu es bien sûr de savoir comment donner du croustillant? Lis ce qu'il y a sur mon tablier. Oh, quel dommage que vous ne fêtiez pas Noël avec nous. Oui, je regrette aussi, maman. Ah, regarde le super cadeau que j'ai eu pour Noël, oncle Rad. Wow, wow. Dis donc, t'as été gâtée? Oh, ma fille. Hé, hey, mais où est donc Bluey? Je suis vraiment désolée que ça ait été aussi mouvementé. J'espère que tu passes quand même un bon moment avec nous. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu veux rentrer à la maison? Hé, hey, Bluey, regarde qui nous appelle. Frisky! Coucou ma puce, je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi, Frisky. Qui est-ce que tu as à côté de toi? Lui, c'est Barnabé. C'est son tout premier Noël avec notre famille. Ah, d'accord. Et ça se passe comment pour lui? Ben, pas bien du tout. Il a d'abord été attaqué par un crocodile et puis papa lui a cassé le bras. Et en le séchant, mamie l'a remué dans tous les sens. Oh zut, le pauvre! Il veut rentrer à la maison. Il dit que ma famille est beaucoup trop brutale.
Écoute, tu veux bien que je lui parle un peu? Oh oui, d'accord. Ravie de faire ta connaissance, Barnabé. Je m'appelle Frisky. Figure-toi que moi aussi, je suis nouvelle dans la famille Bouvier. Et je vais te faire une confidence. Youhou! Je les trouve un petit peu dérangés. Hey! Mais laisse-leur une chance. Et tu verras. Oui, bien sûr, mais c'était pas pour cette raison que j'ai voté pour lui. Oh, Stripe, c'est super croustillant. Oh, oui, c'est sincère. Ce sont de grands sentimentaux. Ah, Barnabé, où sont passées mes clés? Faites vite! Le ferry va bientôt partir. Ah, dépêchons-nous, au revoir les enfants! Tous un très joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. Et je lève mon verre à Barnabé. Oui, à ta santé, Barnabé. Bienvenue dans la famille, mon bonhomme. Papa. Pardon, mon petit gars. Ok, allez, vas-y. Bonjour tout le monde, je m'appelle Muffin. Bienvenue dans ma vidéo où je déballe mes cadeaux. Oh, papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bonjour, bienvenue dans ma vidéo où je déballe mes cadeaux. Aujourd'hui, nous allons déballer ce camion Ben. Papa, j'en veux pas de ce camion Ben. Je veux l'île de Kitty de l'équipe des chats. Muffin, c'est le cadeau qu'on a reçu, d'accord? Dis juste ta phrase. Mais je veux l'île de Kitty de l'équipe des chats. D'accord, alors je vais ouvrir de ce côté. C'est coincé. Ne casse pas, Muffin. Je te l'avais dit. Vous l'avez drôlement malmené, ce pauvre camion Ben. Donc voilà le camion Ben. Appuie sur le bouton. Ah, quand on appuie sur ce bouton, ça fait ça. Appuie plus fort. Mais ça ne marche pas. Appuie correctement. C'est ce que je fais. Il faut bien penser à mettre plusieurs piles dedans avant. Oh, ouf. Ah, ça c'est super chouette. Je pourrais peut-être mettre quelques pierres dans la benne. Ce sont les bonbons pour la vidéo. Rends-moi ça tout de suite. Ça, c'est un camion Ben. C'est le pire de tous les cadeaux du monde. Je le déteste. Je peux le prendre? Non, il est à moi. Oh, j'ai vu un œil s'ouvrir. Non, non, je suis toujours endormie. Mon œil s'est pas ouvert. J'espère bien qu'il ne s'est pas ouvert. Oh, oh, et oh, oh. Réveillez-vous, les enfants, c'est aujourd'hui Noël. Chouette. Regardez si le Père Noël vous a laissé quelque chose. Il m'a laissé une boule à neige. Et moi, de la mousse à raser. J'ai une trousse pour les crayons. Et c'est ma trousse de crayons. Papa. Bingo, tu ne l'arraches pas des mains. Mais c'est la mienne. C'est celle de Bluey pendant le jeu. Elle te la rendra à la fin du jeu. Bon, d'accord, je suis désolée, Bluey. C'est très bien, Bingo. J'en veux plus de sa trousse. Papa, je lui ai dit que j'étais désolée. Mais elle fuit la tête et elle veut pas reprendre la trousse. Tu ne veux pas accepter ses excuses, Bluey? Non, pourquoi je les accepterais? Parce que sinon le Père Noël t'apportera pas de cadeau. Le Père Noël aime les enfants gentils qui acceptent les excuses. Bon, très bien. Oh, c'était plutôt facile. Très bien, maintenant c'est à quelqu'un d'autre d'être le Père Noël de la véranda. Oh, oui. Voilà, c'est fait. Merci, papa. Hé, hey, dis donc, tu as placé ton lit au même endroit que le mien. Oui. Ça te dérange pas? Mais non, pas du tout. C'est pour qu'on puisse continuer à observer Malcolm. Oh, très bonne idée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pas grand-chose. Allez, Malcolm, un petit effort, fais quelque chose. Oh, il nous a entendus. Bon, alors, toutes ces peluches sont à moi. Et toutes celles-là sont à moi. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait pour notre petite Gloria? Oui, qu'est-ce qu'on fait pour notre petite Gloria? Je me souviens que c'était un cadeau de Noël pour moi de la part de grand-père. Alors que toi, tu n'avais pas du tout reçu de cadeau de Noël de sa part. Parce qu'il avait oublié que je venais de naître. Oui, il avait oublié ta naissance. Alors toi, tu m'avais dit... Ça ne fait rien, Bingo. On n'a qu'à dire qu'elle est à nous deux. Oui, exactement. Du coup, on la met dans ta chambre ou dans la mienne? On peut la mettre dans la tienne. Merci, Bluey. Mais je te propose qu'elle dorme dans ta chambre pour cette nuit. Oh oui, d'accord.
Tu te souviens de ta promesse? Oui, je m'en souviens, puisque c'est une nuit spéciale et que votre cousine Muffin dort à la maison. Vous allez pouvoir vous coucher un petit peu plus tard. Super! On va se coucher tard! On va se coucher tard! Muffin, on va se coucher tard! Tu sais quoi? Il y a de l'eau dans les noix de coco! Wow, qu'est-ce qui t'arrive, Muffin? Oh mince, je crois que Muffin n'a pas fait la sieste. Je suis un lama! Il est comme un lama! Miam, 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 miam! Elle a dit qu'elle était un lama. Cet épisode de Blouille a pour titre La soirée pyjama. Tu bloques bien les portes, bloque-porte. Qu'est-ce qui se passe, oncle Stripe? Vous vous souvenez que quand vous étiez plus jeune, vous faisiez une petite sieste dans la journée? Oui. Puis, en grandissant, vous avez arrêté de dormir l'après-midi? Oui, maintenant on dort qu'une fois. Oui, la nuit. Eh bien, Muffin n'est pas encore tout à fait prête pour se passer d'une petite sieste dans la journée. Oh. Yeah. Oh oui. Papa, arrête. Écoute, Muffin, au lit de bonne heure ce soir. Attends, non, nous on a le droit de se coucher tard ce soir. Oh, eh bien, faut que j'y aille. Salut, Muffin. Maman, t'as promis qu'on pourrait se coucher tard. Je sais ce que je vous ai promis, mais nous devons aussi veiller au bien-être de Muffin. Elle n'a pas fait la sieste. Mais tu as promis. Un jeu et au lit. Oh. C'est la guitare gonflable. J'ai trouvé. On va faire un jeu vraiment très long. Comme ça, pour le finir, on devra se coucher plus tard. Oui. Oui. Wouh. D'accord, un seul jeu, puis au lit. Très bien, alors quel jeu? Le restaurant. Alors, chère Marie et Shella, si on allait dîner dans un de ces petits restaurants tranquilles? Comme tu voudras, chérie. Bonsoir, messieurs, dames, bienvenue dans notre restaurant, réputé pour son service très rapide. Combien de personnes dîneront ce soir? Trois. Oh, très bien. Une, deux. Où est la troisième? Yeah! Réveille-toi, Shella! Je m'appelle Boubou Babou. Boubou Babou devrait aller se coucher. Non, elle va bien. Mais elle aime bien les plantes. Ah! Je déteste les plantes! Allez, calme-toi, Shella! Nous sommes prêts. Tchou-tchou! Vroom! Pring! Prochain arrêt, le musée! Shella, arrête! Ce n'est pas un bus! Voici les menus. Oui, je vous préviens, il va sans doute nous falloir beaucoup de temps pour choisir. Ça m'étonnerait. Oh, tout a l'air vraiment délicieux, chérie. Bip! Il y a de l'eau dans les noix de coco. Shella, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, enfin! Blablabla. Mon restaurant! On n'a pas dit qu'on avait choisi. Bluey? Je crois qu'on va plutôt aller au palais des frites. Allez, venez la famille. Des frites! Frites! Venez goûter nos frites! Oh, bonjour! Est-ce que vous voulez des frites? Je veux des frites! Quoi? D'accord. S'il vous plaît, madame, ne secouez pas mon écharpe! On voudrait des frites, s'il vous plaît! Et prenez votre temps! Votre amie a l'air d'avoir envie de dormir! Oh non, elle va très bien! Bon, ça fera 4 dollars et 12, s'il vous plaît! Si on le paye, le jeu est terminé! Qu'est-ce qu'on fait alors, chérie? J'ai trouvé! Cours, Shella! D'accord! Arrêtez! Voleuse! Voilà, le jeu continue! C'est génial, chérie! Police! Est-ce que quelqu'un a appelé la police? Oui, elle est partie par là! Arrêtez! Police! Aïe! En route, flamme orange, en route! Wow, Muffin! T'es vraiment très fatiguée! Oh, blabla! Plus un geste! Merci de nous avoir prévenus. Elle doit être condamnée pour ce qu'elle a fait. Écoutez-moi bien. Si votre amie veut manger des frites, elle doit les payer. Vous comprenez? Oui, madame la policière. Désolée, madame la policière. Très bien, les filles. Au lit maintenant. Oh, c'est pas juste. T'avais dit qu'on pourrait se coucher tard. Bluey, il est déjà tard. Regardez, il est 8 heures. On va se coucher tard! C'est pas super, Bluey. Si ta cousine manque de sommeil, c'est à toi de veiller sur elle quand elle vient à la maison. Muffin devrait être couchée depuis bien longtemps. Regarde-la. Vilaine policière! Sheila! Reviens! Attendez, ça veut pas dire que le jeu continue! Oui, j'arrive, flamme rouge!
fait comme moi. Ah, je suis là. Regarde, la policière revient. Suis-moi. Vous ne vous attrapez pas, madame la policière. Bloui. Je vais vous attraper toutes les trois. Vite, cache-toi là-dessous, Sheila. D'accord, Bloui. Elle te trouvera jamais ici. Merci, Bloui. Surtout, reste tranquille. Je vais aller voir si la voie est libre. Oh. Chut. Bien joué, Bloui. Bonjour, Bloui. Je suis tellement fatiguée. Eh bien, tu devrais peut-être te coucher plus tôt. Oui, tu as bien raison, Muffin. Bloui? Oui, Muffin? Pourquoi est-ce qu'il y a un flamant rose dans mon sac de couchage? Ça, c'est une longue histoire. Woup, woup, oh. Bingo! Tu as oublié d'arrêter de tout donner. Viens, tu vas m'aider avec la musique. D'accord, on danse. Wouh! Bingo, si c'était un concours de danse, à ton avis, laquelle des deux gagnerait? Maman, il n'y a pas à discuter. Je suis d'accord. Un peu nerf, Bloui. Oh papa, j'ai une idée. Mais la chanson, j'adore les céréales. Oh, attention, chers fans de musique. Nous venons de recevoir une demande de la part de Ringo Bouvier. Bingo Bouvier. Et à qui veux-tu dédicacer cette chanson, Ringo? C'est pour ma sœur Bloui. C'est sa préférée. Bien, c'est entendu. Cette chanson est donc pour la sœur de Ringo, Bloui. Bloui. Wouh. Oh, attention! Cette chanson est efficace. Wouh! Oh oui! Allez, Bloui! Ouais! Stop! Ah! Oh, ça va être dur de choisir. Désolé de vous faire attendre, les amis. On doit intervenir sur un litige des statues musicales. Restez avec nous. Oh, elle est bien, cette image. Vous êtes prête? Oui, oui, je suis prête. Oh, c'est un cercle. Un bélier? Non. Le soleil? Un écureuil? Non, non. Un poulet? Non, c'est une danseuse? C'est presque ça. Tu en penses quoi, Sox? Un poulet? Je sais, c'est une ballerine. Exact. Hourra. Bien joué, Bloui. Oh, ça ne fait rien, Sox. C'est à mon tour. D'accord, ma grande. À ton tour. Tu es sûre de savoir comment t'y prendre? Oui, je sais comment on fait. Pioche une carte. Bon, maintenant tu vas la regarder. Puis mimer ce qu'il y a dessus. Je veux pas une carte avec une grenouille. Je veux la carte avec la ballerine. Bon... Muffin, tu dois mimer ce qu'il y a sur la carte. Mais moi c'est la danseuse que j'ai envie de mimer. Oh, d'accord. Bingo, tu vas jouer le rôle de maman parce que vous êtes rousses toutes les deux. Je te promets que je ferai de mon mieux pour rien gâcher, Bloui. Je le sais. C'est à toi. Oh. Tout, 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 tout. Oh, c'est moi. Un jour... Attendez, c'est quoi ton autre nom que maman déjà? Chili. Oh oui. Un jour, Chili se promenait tranquillement. Et ensuite... Ça, c'était avant qu'elle soit maman. C'était dans l'ancien temps. Chili adorait jouer au hockey et... Danser. Oh oui, et aussi danser. Je suis une bonne danseuse. Mais elle se sentait vraiment très seule. Non, pas du tout. Non, je ne me sentais pas seule. Bien sûr que si. Donc, elle... où as-tu rencontré papa? Eh bien, on n'est pas d'accord, mais on va vous dire que c'était pendant une fête à Londres. Je suis tellement jolie. Chantez plus fort. Je suis encore plus fort. Charmante et brillante. Bravo. Oh, notre reine est tellement charmante et brillante. Faites amener le carrosse royal. Bonjour. Encore. Encore. Non, là il y en a trop. Je vous félicite pour votre travail. Et voici Sir Grenouchien. Il est à moitié grenouille. Oh, je vous félicite pour votre travail. Plus vite, majordome. Dis Bingo, est-ce que je peux être la reine? D'accord. Attention, la reine va entrer. Oh, une nouvelle reine. On vous aime, votre...
votre majesté. Oui, je sais. Que puis-je faire pour vous, votre majesté? Oh, mince alors. Oh, c'est une catastrophe. Wow. Je peux vous aider? Je reviens dans une seconde. Allez, mimez le nom de la licorne que veut Muffin. Je vais essayer de deviner. Tu écris un oiseau, un livre, un oiseau-livre, un oiseau-poulet, j'ai trouvé. Non, pas oiseau-poulet. Main, doigt, doigt de poulet, main de poulet, c'est main de poulet, c'est ça. Oh, Madge, pourquoi il a fallu que tu tombes malade? Désolé, monsieur, j'ai vérifié, on n'a pas de bulle d'arrosage. Je ne suis même pas sûre que ça existe, en fait. Laissez tomber l'arrosage, j'ai un autre problème. Muffin veut une nouvelle licorne, les filles savent laquelle. Il faut que vous, vous trouviez son nom. Pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas? Écoutez, Alfie, vous comprendrez un jour. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, je peux vous aider. Super, Alfie, en avant, action! Bras, mon petit cœur. Chérie, aide-moi s'il te plaît. Hein? Comment va mon petit singe préféré? Hé petit, c'est ma femme! Non, plus maintenant. Maman s'est mariée avec Monsieur Singe en culotte. Quoi? Mais c'est arrivé quand exactement? Je t'assure, j'allais te l'annoncer. Tu m'as quittée pour un singe? Je suis vraiment désolée, chérie, mais il y a quelque chose chez lui qui le rend important à mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, excellente idée! Tu peux devenir son majordome. Quoi? En fin de compte, ça me ferait plaisir. Que puis-je faire pour vous servir, monsieur? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Tu vas probablement le regretter. Hey, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Singe en culotte ne veut pas d'os sur sa couverture. Il veut des bananes. Sa couverture? C'est pas sa couverture, c'est la mienne, pas la sienne. Plus maintenant, parce que c'est aussi sa chambre. À tout à l'heure. Je trouve ça scandaleux. Nous allons nous marier, nous allons nous marier. Merci infiniment de m'emmener voir un ballet de danse classique. Mais je t'en prie, ma douce. Absolument prodigieux. Absolument, ma douce. Bluey, regarde, la graine a germé. Muffin, chérie, tu peux enlever ta collerette maintenant. Hourra! Merci d'être venu. Jolie fleur de tournesol, on t'aime beaucoup. Au revoir Bingo, au revoir Louis, au revoir Muffin, on se revoit jeudi prochain.